j'ai oublié le rapport hauteur. Ah oui, c'est hauteur poids du bordel, fait mal. Bonjour ton tube. Bonjour ton tube. Le MAM. Deux bonnes recettes dans le MAM. Donc le fil de catharium qui est une bonne recette je trouve. Hein, qui est comment abandonner définitivement tout gisement de cuivre. Ou presque. Enfin ça ne sert plus qu'à faire que des rouleaux de cuivre quoi après. Parce qu'on a toujours, on n'exploite toujours pas les rouleaux de Non mais le cuivre là on s'en sert plus hein, c'est terrible. Et bien sûr la plaque de fer renforcée, enfin de riftée, qui se ferait donc avec du cuivre. Figurez-vous qu'on a du cuivre. On a du cuivre, mais qu'on n'utilise pas. Qu'on n'utilise pas. Moi je trouve ça pas mal. Est-ce que tu veux qu'on sorte d'abord du fil de catharium en cuivre? Ce qui toi te peut permettre de rajouter un deuxième... Attends, du fil de catharium en cuivre? Oui, en fait tu transformes ton lingot de catharium en fil de cuivre. Ah, et ça t'en produit 8. Un lingot te sort 8 bobines de cuivre. Ça peut être intéressant en effet. Et c'est 120 par minute? Ah ouais, ah bah, il va falloir que je ramène les lingots ici alors. Ça va être mais hey, t'as tout compris. Attends, ou alors que je ramène la plateforme jusque là-bas. D'ailleurs, en parlant de plateforme jusque là-bas, je vais avoir besoin de toi. Alors, je vais rebalancer tout de suite un disque dur, celui que j'avais sur moi. Ouais, attends, il va falloir que je prenne pas mal de... Il y avait une chose... Ah oui, je vais reprendre l'autre disque dur sur moi, sinon après je vais oublier, puis ça va libérer une place. Ah et oui, il y a 40 bobines de catharium dans le... dans la boîte. Et t'as d'ailleurs des capsules de données organiques pour toi. Ouais, je prends... Pour rechercher des formes des organismes extraterrestres. En fait, ça ne sert à rien. Dis le hub, on peut pas juste le virer en fait. Le truc de hub en plus. Parce qu'on peut en poser qu'un. Ouais, mais pour l'instant, je préférais le garder pour pas le bugger. Ou si jamais on voit à l'autre bout du monde, j'avoue. Mais en vrai, on peut le jarter. Mais regarde, je crois que tu peux juste le poser par terre. J'ai une boîte à bordel. J'ai une boîte à bordel. Détruis-le. Détruis-le, vas-y. Aller, je l'avais, en fait, je l'avais gardé pour une seule chose, c'est que je m'étais dit si on démolit notre hub ici, peut-être qu'on voudra avoir construit un truc là-bas avant de se retrouver avec un coffre dévidé partout, toutes les ressources qui traînent par terre, etc. Mais voilà. Il y a un mais normalement. Non. Ok, bah je vais le mettre dans le broyeur. C'est pour ça que je l'avais gardé. Ah, j'ai tiré jusque là. J'ai de l'humour, moi, c'est vrai. Tac-tac. Donc, par rapport à notre plateforme centrale, j'ai besoin d'un petit coup de main. Parce que je crois que tu es armé. Avec un Z. Ouais. Je crois avoir compris. Where are you, my friend? Ah, mais non. Est-ce que avant de venir, tu peux ramener des plaques de métal? Je ne peux plus rien construire. Plaques de métal brut, standard ou... Plaque de fer en fait, je peux plus rien construire, je suis à sec. Alors, parce que moi je me suis un peu équipé, parce que j'ai pour projet... Ouais, attends, faut que je fasse ça, et c'est pas 5, c'est... Alors, on a pas des masses, hein. On produit vraiment peu. Surtout que j'ai balancé beaucoup de trucs à la poubelle pour faire du ticket, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ouais, on va être très honnête avec moi-même. Alors, et donc là j'ai de nouveaux trucs, j'ai la fondation béton. Oh bah c'est bon, rien besoin de ramener. TKT poteau, j'ai trouvé toutes les solutions à mon problème. Je vais construire une base intégralement en béton. Ah ouais, ça ne nécessite plus de plaques de fer. C'est vrai que j'avais vu la mec hier. J'ai vu la vierge et tout. J'ai vu la vierge Marie en train de se faire. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, t'avais besoin de mon arme, mais pourquoi? Là, les gros moches. À droite. Go chercher bagarre. Voilà, bonne journée. Ça ah oui, c'est joli en béton comme ça aussi. Ça, surtout que ça coûte que du béton. Alors, tu me parles de gros moches à droite. Excusez-moi. Ça ne coûte que du bétonasse. Par contre, comment je fais pour recycler les autres en béton? Parce qu'avant, on pouvait... Oh bah on peut plus. Donc on fait. Ah vous êtes deux. Ah oui. Plus on est fou, plus on rit. Oui, il y a deux gardes des Mondman là. Enfin, t'as vu, ils ont des tronches différentes de plus en plus. Deux seigneurs des 12 enfers là.
Ah ouais, je tire tellement vite que maintenant les poutrelles n'ont même pas le temps de se recharger. Assaut Valtarma, ah, mange tes mots. Je t'ai eu. Donc vous voulez les récupérer et il faut un stator. Oh, un stator. On n'a pas la recette encore de ça. Bah normalement si. Ah oui, on a oublié de valider l'acier. Bah ouais. Ah, des batteries. Oh, du câble. Et ben moi je vais... Carte imaginaire. Alors, je te laisse valider le... Ah, et 20 mégawatts. Le jalon. T'as de quoi construire un... Un générateur sur place? Oui, toujours. Ouais, tu en t'en poses un parce qu'il faudra l'alimenter en plus du stator. C'est possible. Tiens. Posé. Je peux même te faire un câble si tu veux. Tac, tac. C'est fait. Et maintenant. Ah, j'ai plus moi, assez de béton. Faire... Oh, j'ai plus rien aussi. T'as plus assez de béton avec ce que je t'ai fait? La vache. Non, mais j'en ai pas pris en fait. Là. J'avais juste la réserve qui me restait sur moi. J'ai presque envie de rentabiliser le tremplin. Excusez-moi. Je sais pas si toi c'est le cas. J'ai presque envie de rentabiliser le tremplin et dire allez, on met un tremplin pour sauter dessus. Juste pour rire. T'as fait la tech des trempes? Non, du tout. J'ai juste attendu. Moi j'ai juste mis ce qui manquait dans le jalon hier et j'attendais que tu le valides. Ah, ok. Parce que c'est à toi de le montrer au monde. Ah oui. Mais bon, même si j'ai envie de dire le jalon Bonchard. Hein, et, s'ils le connaissent pas celui-là. Parce qu'ils connaissent. Hein. Il faut que je retrouve comment améliorer les. Modifier le revêtement de. Du sol là. Il faudrait que je repasse toute la passe en bétonasse. En masse béton. Bah, surtout que. Jalon ton tube. Moi j'étais parti faire. Ah, nous sommes nous dans ton tube. Robot. Des blocs. Qui m'intéresse personne. Ouah. Tremplin, non. Transport motorisé, oui, pourquoi pas. Sinon, ici on parle la de quoi? La fonderie avancée. Ah, stator, motor, protor, méga stator. Et il y a que l'acier qu'on produit pas sur ce jalon là. Et ben là, l'acier, je vais commencer et à là... les produire. Il faut juste des cadres modulaires. Ah, là-dessus, on produit tout. Choisir. Voilà. J'ai choisi un truc qui est facile normalement pour nous à faire. Ouais. Ah bah tiens, bah, je suis en train de faire des cadres modulaires, donc j'en fais un peu plus et puis voilà. Ce sera parfait. Ouais, je vais transformer ça en béton. Parce que je suis en train de me dire comment je me débarrasse de mes calcaires. Allez, j'ai toujours ma sconnerie sur moi aussi, des blagues. Alors, j'ai deux choses à faire. Ramener le caterium ici. Que ce soit bobine et lingot. Ouais. Et. Bobine, non. Amène directement minerai en fait et transforme sur place. Ouais. D'accord. Comme ça, on pourra choisir transformer plus ou moins de lingots, plus ou moins de machin. Tire directement un tapis tout droit jusqu'à la maison. Hein. Ok. Ah merde, je peux pas déjà. Alors, déjà soit mettre... ça, soit vu qu'elle est en hauteur, je crois, cette base-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vite fait en hauteur, oui. En fait, je tire du béton jusque là-bas. Hein. Et on oui, la place tout de suite en hauteur aussi. Vas-y. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se bricoler tout du moins. Je te mets dans le coffre à côté du truc où on met les jalons. Ce qu'il va falloir pour déjà en cadre modulaire. Et après, tu pourras déjà directement valider. Asphalte. Je vais passer l'asphalte et je vais prendre le pilier en béton aussi. Hop, tout acheté, il reste 3 tickets. Alors, pilier en béton, j'ai plus besoin, ça a été acheté. Tu as 30 cadres modulaires pour pouvoir faire ce que l'on a à faire. Okay. Et comme ça, tu peux directement valider le jalon. Hop là, hop, c'est acheté. Pilier de métal. Un pilier de métal, c'est acheté. Je crois que c'est rangé dans les murs. Ah oui, tout ce qui va se faire. En plus, ça prend que de la... Vraiment. Des plaques. Bon, il me faut des plaques. Ouais, il me faut des plaques. Ouais, il me faut des tiges. Il faut des plaques. Il te faut des plaques de fer. Ouais, il me faut des plaques, il faut des tiges. En fait, là, il faut plaques, tiges et... plaques, tiges et béton en quantité que j'ai envie de qualifier de démentiel. Et asphalte, ah asphalte aussi, c'est uniquement du Bates. Shina, il faut que je te montre ça. Alors Shina, il va falloir faire des choix.
Alors attends deux secondes, je suis occupé là. Dès que tu passes à la base, hein, il y a des choix qui s'imposent, sache-le. Il y a des choix qui s'imposent. Ah ouais, ouais des ouais, choix ouais. Du genre choix important ou choix. Ah ouais ouais, choix... ouais 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 ouais. Là c'est vraiment une direction artistique qu'il va falloir prendre. Ah direction artistique, d'accord. Ouais ouais. Ah ouais 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 ouais. Dans tous les cas, ce sera beau parce que ce sera forcément du béton et que tout le monde sait très bien qu'il n'y a rien de plus beau sur cette planète qu'une bonne couche de béton. Alors si, certes, effectivement, les plus raffinés d'entre vous me diront, mais oui, mais et sa couche de goudron. Certes, certes, mais il faut d'abord du béton. Et moi, je suis attaché quand même à la Terre et à ses principes de base. Il faut d'abord du Bates avant de mettre du goudron. Voilà. C'est mon choix. Hein. L'émission, évidemment. Et genre pas de filtre. Ah oui, pas de filtre, il met tout le monde. Ah par contre ouais, c'est forcément des murs rouges. OK. J'arrive, je vas au MAM. J'y suis. Alors, c'est de la merde. C'est de la merde. Y a mieux, mais c'est plus cher. On va faire avec ça. C'est quoi? C'est fil actif. C'est un fil actif qu'on peut fabriquer. Alors, on en fabrique. C'est pas nul. On en fabrique 12 avec masse lingot de cuivre pour un seul lingot de. Un seul lingot de caterium. Et quelques lingots de cuivre, on fabrique genre 12 bobines de cuivre, un truc comme ça. Bon, en fait, ça te permet d'utiliser ton cuivre à la place de ton fil actif. Je trouve pas ça très intéressant, puisqu'en fait, tout l'intérêt, c'est de remplacer le cuivre par du fil actif, parce que, en fait, la production de fil actif est énorme. T'en déterres extrêmement vite. Voilà. Je trouve pas ça intéressant. Oula, t'as pris masse placasse. Ah oui. C'est pourquoi tu as pris masse placasse. Just masse placasse. Ah, bien. Je peux gratter des tijas là? Yes, parfait. C'est bon. Oh putain. Lui, c'est bon, il est revenu, on peut charger là? Non, dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Ah oui, en plus, je peux rien construire tant que t'es pas arrivé. Hein. Quoi? Parce que j'ai besoin que tu prennes une décision artistique, faire des choix quoi dans ta vie un peu. Que tu prennes des décisions un peu engagées pour l'avenir de notre nation. Voilà. Ouais. Donc pendant ce temps-là, je montre son gameplay préféré à YouTube, c'est-à-dire me regarder fabriquer des objets à la con. En boucle. Donc là ton tube, c'est le moment de faire autre chose. C'est de trouver une passion dans la vie, quoi. Voilà. Et si je mets ça là, on n'est pas loin du fer, donc ouais, ça se fait. Hop. Comme ça, voilà. On va mettre un petit conteneur ici. Bonnement, non, c'est pas ça. On met un petit conteneur ici. C'est très moche. C'est parfait. On appellera le joli petit conteneur ici. Voilà. Hop. Ah ouais, évidemment, je l'ai pas mis dans le bon sens en plus. Ouais. Après, te fais pas chier avec le conteneur à minerai. Hein. Puisque l'idée, c'est de tirer une base jusqu'à lui. Quoi? J'ai pas compris, là. C'est ce que je vois. L'idée là, c'est que tu vas pouvoir installer, excuse-moi, ton industrie à la nouvelle base sur la plateforme. L'idée, c'est de tirer la plateforme jusqu'à ton gisement de Caterium. Je suis pas sur le gisement de Caterium là. Ah. C'est pour ça que je comprenais pas. Ah ok, d'accord. J'ai rien dit. Je crois que la navette est revenue.
Cool. Ça fait un, ça fait déjà un bruit des enfers, je crois que c'est revenu. On va déjà pouvoir valider le... Les tremplins. Les tremplins. Ouais, en plus, attends, parce que je suis en train de me dire, mais avec un peu de chance, j'ai mis tellement de bordel à broyer là-dedans. Allez, file-moi ça, mon gars. File-moi ma tige. Est-ce que j'ai des plaques encore qui traînent? Ça serait bien. Alors, je sens que tu vas pas aimer. Par ce que contre, je vais t'as mis le. Voilà, ça, t'avais pas compris, par contre, ça. Dommage. Ça aurait pu être bien, mais t'as failli faire de la merde. Tout va bien, j'ai sauvé les murs. Voilà. Ok. Donc c'est ça, la boîte de hub, vu que tu ne peux pas la détruire dans ton inventaire, tu ne peux surtout pas la broyer. Ah. Voilà. Donc t'aurais bloqué tous les broyeurs. Oh, toi, toi. J'aurais perdu de l'argent. De l'argent et du temps. Surtout de l'argent. Bah si tu perds du temps, tu perds de l'argent. Je perds de l'argent surtout. Ça consomme combien? Ça consomme 16. Paf, ça dégage là-dedans. Et... Sans rotor, non mais le jeu il croit qu'il nous demande un truc quoi. Non mais s'il te plaît. 16 et 5, combien il nous reste? Non mais allô quoi. Ouais. Autant dire que on a largement ce qu'il faut en production électrique. Ah par contre j'avais fait en sorte de remplacer tous les poteaux électriques en MK2. Voilà. Par contre, je produis genre. Ah oui, mais j'ai quand même. Ok, j'ai 1 milliard de vis. Mais en fait... Les vis, vraiment, il hein, faut vraiment. Si un jour on veut changer quelque chose à notre vie et commencer à pouvoir faire des choses, il faut vraiment passer le tapis des vis en MK3. Hein. C'est vraiment le premier truc ah à ouais faire. Hein. Ah, c'est un enfer. Parce qu'en fait, genre, j'avais 500 vis dans le constructeur. Et j'en bah ai tiens, zéro tu vas au bout dans le. Dans le. Dans le. Merde, dans celui qui fait les rotors. Ouais. Juste parce qu'en fait, le tapis ne dessert pas assez vite. En fait, il n'arrive pas à vider le constructeur. D'accord. Voilà, et eh ben écoute, j'ai fait une fonderie avancée, j'ai fait production d'acier, production d'acier lancé. Voilà, cadeau. Parfait. C'est mon cadeau à la société, à l'industrialisation des lois du marché. Et maintenant, tu vas pouvoir motoriser tout ça. J'ai jamais fait ça. par contre, je suis à côté de la base. Je suis vraiment là. C'est un très beau Kraken. Donc tu voulais me demander quoi toi? Tu as 4 blocs de béton qui sont empilés au milieu de nulle part là. Ouais ouais je vois je vois. Voilà, ils sont de 2 teintes différentes, donc il y en a un qui est en béton et il y en a un qui est en asphalte. Je préfère celui de un peu plus sombre. En asphalte. Ok. Ouais. On va donc refaire toute la base en asphalte. Ah ça consomme la même chose? Trop bien. Oui. Béton, béton, béton. Béton, béton, béton. Parce que le béton, figure-toi, tu sais, le vide. Par contre, c'est étrange que tu n'aies pas peint la base. C'est très étrange. D'habitude, c'est toujours peint. Ouais, ouais, ouais. Bah, mais parce qu'en fait, j'ai l'amour des tickets qui a beaucoup de choses à acheter. Et donc, j'ai préféré garder strictement toutes les plantes pour pouvoir acheter des trucs. Pour pouvoir d'abord les tickets. Voilà, et la peinture viendra en dernier. Surtout que la peinture, généralement, c'est un peu buggé dans ce jeu. Est-ce que tu veux que je détruise l'asphalte et le béton ou tu veux les récupérer les 28 stacks là, de non, béton? Tu peux les prendre. Hop. T'es trop lent. C'est mon béton. C'est mon béton. Par contre, ce qu'il faut que je trouve impérativement là, c'est cette histoire de comment je transforme mes blocs là. Est-ce que je me suis fait douille là? Avant, tu pouvais repeindre tes. Alors, attends, il y a une touche raccourcie peindre machin là. C'est laquelle? C'est pas X? Ouais, c'est lui là. Oh, attends. Voilà, matériaux, c'est bon, j'ai. Asphalte, ok, let's go, c'est bon, j'ai. J'ai eu peur. Par contre, on risque de se retrouver subitement avec un petit surplus de plaques de métal. Je vais préciser. Tant mieux! Voilà. Bon, alors, t'as dit que je laissais tranquille la. La truc de Caterium. C'est pas la peine que je... Bah on va y aller jusque maintenant, parce que de là on a tiré jusqu'au moche. Oui là. De là on a tiré jusqu'au moche, en fait il y a... Oh, je fais ça tellement comme un porc, c'est magnifique. On n'est pas très loin, on voit déjà le bon char de là où on est. Donc ouais, on doit pas être très loin. Alors, je te propose
Alors. Soit. Ah, on la voit d'ici. On la voit. Alors. Oui, excuse-moi. Il y a deux choses à te proposer. Soit on part sur le jalon production d'acier avancé, donc foreuse MK2, poutre de béton, stator, moteur, câble automatisé, cadre modulaire lourd, ou alors on part sur la logistique qui nous donne l'ondulateur, les conteneurs industriels, qui en fait est deux conteneurs l'un sur l'autre, le convoyeur MK3. Ah bah ça il nous faut. Donc, ta réponse. Mais en fait tout est trop intéressant. Déjà les gros conteneurs c'est trop bien. Ok. Et le convoyeur MK3 bah c'est la vie en fait. Voilà, c'est lancé, c'est ce qu'il nous faut. Il va falloir laisser tourner un petit peu. Production, tout droit. Par contre, tu vois, je suis un peu déçu de pas avoir trouvé un autre truc de charbon pur, parce que là, c'est du normal qui tourne et je suis un peu déçu. De quoi ? Qu'est-ce qui est normal ? Je ne ramène que du charbon normal. C'est pas un pur. Et je suis un peu déçu. Sur ça. Ah. Ouais. Oh, c'est pas. C'est pas dramatique, mais c'est pour la prod, quoi. C'est pas. C'est pas rentable, oui, tu vois. C'est pas le. C'est pas la dramaturgisme. Rixme. Enfin, il est compliqué ce mot, t'as compris. C'est de la tome. Alors maintenant, je sais plus trop quoi faire. Ah. Voyons voir ce qu'il y a. Bah, j'ai envie de te dire. Tu sais plus trop quoi faire, mais je pense qu'on va vite te trouver de quoi faire. Oh! Parce oh que, figure-toi que je suis arrivé à vertical, merci. Narf, j'ai trouvé de quoi envoyer des piles encore plus vite. De quoi envoyer quoi? Viens voir, c'est drôle. Non, il faut que je fasse ça mieux là. Je te laisse regarder. Non. Je te laisse regarder dans le van. Et merde, je suis mort. Ah, ça c'est triste. Bah, tu peux regarder dans le même au passage. Ou alors j'attends que tu me ressuscites. Voilà, je bouge pas. Je vois pas où t'es mort par contre. Alors, derrière les mines de. Alors, indice gros sur le visage. Tu peux emprunter si tu veux la. Ah oui, les tyroliennes c'est plus rapide pour toi. Jusqu'à ta base de charbon. Derrière ta base de charbon, tu vas voir qu'il y a effectivement une grande passerelle de béton qui est en train de passer au-dessus, enfin en asphalte. Ouais. Au-dessus. Et au bout, il y a un pilier de béton qui raccorde le sol. Et en bas de ce pilier de béton, il y a une falaise. Et en bas de cette falaise, il y a un truc éclaté sur le sol. Ah non, t'es en train de te barrer là. Je sais pas où tu vas. T'es sur la passerelle, c'est ça? Non, je suis pas sur la passerelle. Ah ouais, ouais. Regarde sur ton radar, je suis sur ton radar normalement. Non, justement, t'es pas sur mon radar. Comment ça, je suis pas sur ton radar? T'es bien sûr que si, je suis sur ton radar. Non, je ne te vois pas sur mon radar. Mais c'est pas normal. Mais normal, je sais. Là, il faut que tu prennes au sud. Maintenant, sud, 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 sud. Ah, il a trop attendu. Sud, plein sud. Attends, je fais plein sud. T'es pas plein sud, là. Non. Mais cours vers le sud, putain. Mais je cours pas, je suis en train de monter. Tu m'as dit vers le pilier, j'arrive vers le pilier. Mais non, mais... Oh, mais il est con, lui. Attends. T'es en bas? Oh. Bah oui, je suis con, tu t'es écrasé. Voilà, il s'en est aperçu tout seul. Hein. Faut lui dire bravo tout de suite. Alors, plein sud. Mais non, là, stop, plus bouger. Voilà, vers la falaise. Voilà, excellent. Il y a un cadavre là-dedans. Tu t'en devrais animer avec ton pistolet à barre d'armature. C'est un style. Ah, j'ai mis, vous mon menu. Mais vous étiez en train de regarder votre menu, monsieur. Merci bien. Merci. De rien. Est-ce que tu veux ma tyrolienne? C'est compliqué l'assistance, hein. Est-ce que tu veux ma tyrolienne pour remonter? Non, c'est bon. Okay. Et en fait, je suis mort tout ça pour pouvoir rajouter un petit bloc de béton pour que ce soit l'or. Hein. Je suis quand même mort pour ça. Hein. On peut pas remonter avec la tyrolienne, si? Tu me regardes là ou pas? Ah oui, si, on peut monter avec. Mais bon, je viens de me rappeler. T'es sûr que tu la veux pas? Non, c'est bon.
Je vais prendre le tapis. Le tapis. Ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on produit quand même beaucoup de bons chars. Pas tant que ça, en vrai. Hein. La seule production par rapport a... à la production qu'on a actuelle, c'est suffisant, en tout cas. Mais disons que si tu branches un générateur supplémentaire, on va l'avoir dans l'os. Ah non, parce que je raccorderai le pur au générateur. Celui-là, c'était un générateur tampon. D'ailleurs, quoi que on non, va tu peux en brancher plus d'un, là. Là, tu peux encore en... Tu peux encore doubler même, tu peux en mettre 6. Ouais, mais j'ai pas pilé ma foreuse. Je voulais attendre de la passer en MK2 avant de la piler. Ok, ça sort de l'acier, et de cet acier, tu ne produis rien. D'accord. Je ne produis rien parce que je ne sais pas ce que tu as besoin. Ah mais je crois qu'on produit les deux trucs qu'on peut produire en acier, plaque et tube, comme il te faut pour la phase d'après, là. D'accord, alors juste je te demande, on va pouvoir faire des vis en acier. Avec, va voir le MAM. Va voir le MAM, il y a des recettes intéressantes. Non, c'est pas ça que je voulais voir encore une fois. C'était ça que je voulais voir. Voilà. J'ai mis le béton dans le... Voilà. Dans le MAM, nous avons donc le lingot d'alliage de fer, qui est donc un mélange de deux minerais de fer et deux minerais de cuivre pour produire 5 lingots. On gagne un lingot. Bon. Est-ce qu'il y a besoin de préciser qu'on est pourri et de gisement de fer pur, donc on en a un peu rien à foutre, je crois. Ouais. Ensuite, on a le cadre en acier alternatif. Donc là, c'est 2 plaques et 10 tubes. Et ça en produit 3. Au lieu de... 2. 2 qui sont produits avec, je crois, uniquement des vis et des plaques. Non, tube et plaque. Non, là c'est tuyau plaques. En acier et 2 plaques de fer renforcées pour en faire 3. Là, nous c'est 3 plaques et 12 tuyaux. 3 plaques et des tuyaux en acier ? Des tuyaux bruts pour les cadres modulaires. Des tuyaux bruts ou des tiges ? Des tuyaux, là, des moi je te parle de tuyaux en acier. Hein. Des tiges. Ah voilà, parce que là, ça... en fait, notre plan de base ne prend que du fer et pas d'acier. Ça oui. C'est ça que je veux dire. Alors que là, ça bouffe 10 tuyaux en acier. Mais. Pour en faire 3. Donc je trouve pas ça dingue. Bon, c'est pas ouf du tout, mec. Enfin, voilà, ouais, enfin, c'est pas que c'est pas ouf du tout, c'est que selon le milieu dans lequel on serait, ça pourrait être intéressant. Mais nous, on est dans un milieu où on n'exploite qu'une mine de fer, et si on veut en exploiter 6 en fer pur, on peut y aller, quoi. Et juste là, exploite... juste là, autour de nous, on n'a même pas besoin d'aller loin. On en exploite donc, 2 à l'heure actuelle de mine de fer. Et le plan de vis en acier alternatif, où on en produirait 32 à partir d'une seule plaque en acier. Et ça en produirait 260 par minute. Est-ce que tu peux aller voir le constructeur et me dire combien on sort de vis par minute ? Oui, s'il te plaît. Alors, pilé, on sort 5. Non, c'est pas le bon. Ouais, c'est pas le troisième, c'est celui du milieu. On en produit 125 quand c'est pilé. À fond. Ah ouais. Donc là, on fait plus que doubler la production vanilla. Ouais. Je pense que c'est intéressant. Parce que sinon, je peux te dire combien on en produit de base. Hein. J'éteins les piles 30 secondes. Par contre. C'est 50. Par contre, je crois que le MK3 il ira pas assez vite. On en produit 50 par minute. Quand c'est non pilé. Ah, par contre, la truc astuce et Solus, c'est que je. Ah, si je peux. Ok, je peux produire des trucs en acier à la main. Ça, c'est bien. Il m'en faut combien ? Il m'en faut 4 pour faire une plaque. Alors ouais, par contre, le seul problème, ouais, c'est ça. C'est que les plaques, les poutres en acier, ça se fabrique très très vite. Mais alors, c'est consommateur en acier de fou, quoi. C'est-à-dire que là, on produit pas assez de lingots. Il faut vraiment produire des lingots comme un sourd. Ouais, non, mais attends. Je m'engage dans un projet, mais pas du tout productif. Ouais. Allô ? Le problème, c'est que j'ai mis ça comme un chien, en fait. Non, on va le mettre...
Oh, ça m'emmerde, hein, tu sais quoi. J'ai pas de place. On est en mode Kraken. J'ai plus rien à foutre. Bah voilà. Là, tu vois, je viens de bouffer 400 lingots d'acier. Ouais. J'ai sorti que 100 plaques. Voilà. C'est un peu cher les plaques. Pourquoi tu t'es posé, toi? Oh, merci, très généreux de ta part. Non, je m'en prie. Hein. T'en mets une troisième? Bah écoute, pas de raison. Attends, Il est collé lui? Attends, je crois. Attends, je te le recolle, bouge pas. Sois bien collé à l'ignée. Ah oui, c'est parce qu'il est pas sur la même hauteur de pente, c'est pour ça que ça fait chelou. Par contre, avant de les brancher, il va falloir faire un truc. Pardon, je t'ai gêné. Ouais, vas-y, bah pose ton tapis. Avant de les brancher, va falloir regarder combien ça consomme, parce que clairement... Ah bah tu vas douiller. 4 secondes, 6 secondes, je crois qu'il faut faire 2 trucs de plaques et 1 de tuyau. Parce que je crois qu'on va manger beaucoup de plaques. Donc je t'ai mis celui du milieu en tuyau. 4 mégawatts. Il nous en reste combien là sur le générateur? Ah, on serait bon. Après, en vrai, techniquement, je peux te faire économiser un peu de fuel. Bon, après, tu sais, je peux rajouter une... c'est pas déconnant si je rajoute une centrale, hein. De toute façon, fallait le faire, donc je vais aller le faire là. Je te laisse les lancer, comme tu veux, et finir avec les conteneurs. Mm-hmm. Et puis moi je vais faire une... Attends, j'ai des rotors. Et il va peut-être falloir mettre aussi une assembleuse pour commencer à faire les... Parce qu'on va bientôt pouvoir terminer la phase 2. Oula! Ah oui, ça, t'es un mec pressé, c'est vrai. Je vais oublier ce détail. Bah déjà on va pouvoir faire les cadres intelligents, enfin les plaques intelligentes. On va en avoir besoin pour pas mal de choses après. Comme on a un gros excédent de... Pour ça équipé en base, c'est celui-là que je veux. Ah oui, mais j'ai pas de fil de Caterium sur moi parce que j'ai rangé les fils dans la base. C'est bon, j'en ai. Dans mon gros coffre, il y en a... T'inquiète. TKT poteau, je gère. Dans mon gros coffre, je sais qu'il y en a masse. Un, et hop, merci, je veux ça ici. Hop, j'en avais gardé sous le coude pour l'occasion. Parfait. Alors fondation, moi je mets des fondations moches parce que je suis un homme comme ça. Voilà. Alors, est-ce que je fais une dingue maintenant? Moi je me verrais bien dire que oui. Vas-y. Moi dire que oui, ça m'excite un peu, voyez-vous. Ça me fait des chances. Ah ouais, en plus je pourrais krakeniser parce qu'en fait je pourrais faire un truc propre, mais en fait je pourrais krakeniser comme un vieux gros tarde. Oh, je vais faire ça. Oh, vas-y. Krakenisons dans ce cas-là! Oh là là là, si on peut krakeniser, hein, si on m'autorise, hein! Ah, on a les. Ah putain, on a la gare routière maintenant! Ouais. Bah oui. Alors là, par contre, je sais pas du tout comment ça se gère. C'est la première fois que Mais en tout cas, ça se gère, hein. Crois-moi bien. Je ferai des essais. D'ailleurs, j'en ai marre de devoir chercher à chaque fois. Tiens, je vais aller ici, paf paf, et tu vas mettre ça sur le 4, parce que je trouve pas ça utile le 4. C'est mon avis, bien sûr. Calme-toi, YouTube. Tu as le droit d'avoir ton avis. Le 4 est le chiffre de la mort. Voilà, dans beaucoup de cultures. Là, j'envoie de la ciale. Arrêtez ça, arrêtez tout. Vire-moi tout, là. Production. Poutre en acier. Hein? Non. Excusez-moi, erreur de ma part. Vis alternative avec des poutres en acier. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'ils veulent, les jeunes.
Et donc... Ah, ça, j'ai obligé de le garder. Fous-moi ça là-dedans. Et ça. Voilà. Et là, on va commencer à avoir trop de lingots. Parfait. Trop de lingots de fer. Excellent. Par contre, on est en galère de... Ah non, on est en galère d'acier. On ne rentre pas assez d'acier. Et donc, j'ai dit que le premier truc qu'il fallait transformer en acier, c'était ça. Alors, ah mais on n'a pas le MK3 ? Encore ? On est en train de le faire, là. Ah oui, on est en train de le faire, oui, c'est vrai, merde, putain. Flûte, ça perd l'hypopète, voulais-je dire. Ah ouais, 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 ah ouais. Ah ouais, non, mais on n'y est pas encore, là. Oh, l'autre, il veut déjà débloquer un jalon qu'on a même pas, on a même pas encore un tapis, quoi. Ah, par contre, ah ouais, d'accord. Bon, on va faire du ravitaillement à la main, parce que là, ça a l'air d'être compliqué. Hein. Ah, voilà, on va aller ici, tiens, je ravitaille à la main. Ah, tiens, ça, tiens, vas-y, mange les... Ah, j'ai plus de place, j'ai plus rien dans les poches. Ah, le... c'est un film, par contre, le plan alternatif. Hein. Là, le plan alternatif, on sort 650 vis par minute. Hein. Il est plein en 4 impressions. Donc, je vais enlever 2 piles. Voilà. Et je vais piler l'acier, du coup. Hein. Donc, on fait ça. Ouais, ouais, vas-y. Du coup, on fait ça. Et je vais spécifiquement... ah ben non, ça sert à rien que je pile l'acier. Ça sert à rien, parce que si je voulais piler l'acier de manière efficace, en fait, c'est toi qu'il faudrait que je pile. Mais est-ce que ça risque pas de tomber si je pile l'acier? Non, j'ai... Pourquoi tu veux que ça tombe? Bah, en termes d'électricité, je sais pas où est-ce que t'en es. Ah! Non, mais j'ai déjà construit la nouvelle, hein. Ok. Eh ben, c'est parti. J'ai pilé l'acier, on produit plus d'acier plus vite. Mais je pense que même, d'ailleurs, le truc des vies, je pense que je peux le dépiler tout court. Hein. Parce que de base... Ah, ça tient plus! Ouais, non, c'est parce que j'ai fait une énorme connerie. Ah, ça c'est dommage. Ça va tenir, t'inquiète. Hop. Parce que je sais pas passer un répartiteur en fait, je suis stupide. Tac tac tac. Voilà. Là t'es branché. Et si je mets ça, là. Ça part. Voilà, parfait. Fallait pas se prendre la tête. Et ben voilà. C'est bon, ça marche. Ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, ça tourne. Ça ne plantera plus jamais. Alors ça, j'en sais rien. C'est la bonne réponse. Réponse d'ingénieur sur 20. Tant que ça marche, c'est bon. Pour l'instant, ça tient. Eh ben, j'ai bien fait d'en mettre un parce que la consommation max est montée à 1470. Ouais, bah c'est normal, on vient de passer à l'acier d'un coup. Hein. Mais c'est bien, on produit un peu d'acier là, c'est pas mal. Alors pour alimenter les 3, je sais pas si c'est le top. Ouais, non, pour alimenter les 3, c'est clairement pas suffisant. Là, faudrait 2 fonderies. Hein. Faudrait 2 fonderies avancées. Pour une vraie prod. Descente. Oh, moi je devrais y aller. Ok. Je vais faire la même, hein, écoute. Hein. Je vais juste chercher des rotors. Des rotors pour ton mégastator. Ouais, parce que je vais te faire une cinquième. Je vais t'en faire une cinquième. De truc. Ah oui. Ou alors, t'as des piles? Non, zéro. Enfin, j'aimerais bien en avoir. Mais j'en ai pas. Il faudra ajouter ouais, une fonderie avancée hein, parce que les 3 constructeurs ils mangent 4, 8. Attends, non, c'est pas comme ça qu'il faut compter, c'est 30, c'est 60, 120, 150 lingots. Ils mangent 150 lingots minute. Dur. Les 3 constructeurs, alors que l'autre pilé il en produit 112,5 en étant pilé à fond. Ah oui, mais parce que t'as aussi lancé les vis. T'as aussi lancé les vis. D'accord. Ouais, ouais, j'ai lancé les vis, mais bon, après les vis, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. C'est parce qu'après le jalon il est presque bouclé. Hein. C'est pour ça que j'ai forcé tout de suite dessus. Je fais là, c'est bientôt terminé. Ah ouais, oh putain, 260.
Attends, on en produit 260, on a doublé la production non pilée. Non pilée, hein, je viens de tout enlever, je t'ai dit, quand j'ai pilé, en 4 clics, enfin, en 4 prods, c'était terminé, la machine s'arrêtait, elle était pleine. Ça vidait pas assez vite. Il est trop bien ce truc. Méga bien le plan. Lourd. Lourd. Là, parce que là, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup par rapport à l'autre où on parle vite fait là de mettre des tuyaux. Des tuyaux pour fabriquer un truc. Je me dis, bon, pourquoi pas, mais on a beaucoup de fer. Bon, je te laisse là par contre. Il faut que j'aille vraiment que ça. Ouais, ça marche. Des bisous, hein, YouTube. Des bisous, YouTube. Sache que YouTube t'aime. Ouais. Ce que m'a dit YouTube. Des bisous. Sinon, je peux le finir mon jalon ou pas? Y'a pas ce qu'il faut, ton tube. Y'a pas ce qu'il faut. On n'a pas les tuyaux, on n'a rien. Je pense que c'est quelque chose qu'on fera dans un prochain épisode. Ça, moi aussi, je peux aller travailler. Là, je fais genre, je te garde du suspense, mais en fait, surtout, je peux aller bosser. Avec ma pseudo crève de con. Ah, putain, j'ai le nez bouché. Changement de saison, c'est horrible. Ça là-dedans. Ouais. On va balancer 50 plaques là. Ça va occuper. Ça va faire partir dans son stockage. Et on a pu broyer un peu de tickets. Oh, un ticket. Un ticket, ton tube. Un ticket. Pas lourd. Pas lourd. Ah ouais, est-ce qu'on se prendrait pas des tasses? C'est dans ton tube. C'est dans la main. Parfait. Rien ne vaut plus que détruire le monde avec un bon café à la main. Dans son merdier perso. Hop, je lui mets ça. Ça, on s'en fout. Enfin, c'est vraiment le merdier personnel. C'est vraiment le mec qui a décidé de pas faire d'effort pour ranger les trucs. Ça sort comment ça? Ça presse bien. Ok, très bien. J'ai pas besoin de rajouter du minerai, donc le minerai va aller ici tranquillement. Ça nous fera une miette de plus. Il nous a fait de la protéine, le bonhomme. On sait pas. On sait pas pourquoi. On va la stocker là temporairement. Allez, des bisous YouTube, à la prochaine, ciao.